Salam alaykoum, on est dans Siman, Shin Kaftet. Il dit le Rav dans Din, Milchama, le Shabbat. La halakha, comment faire la guerre Shabbat. Et notre hymne, Nilachem, le Shabbat, Ave, Milchamat, Mitzvah. Et Gam, Lo, Shlosha, Yamim, Kodem, le Shabbat. Et là, Im Yesh, Hacha, Sakana, Shaoyev, Yit, Hachem, le Kadome. Et Im Parza, Milchama, Kodem, le Shabbat, Mamshachim, Nilachem, Ave, le Shabbat. ומלחמת הרשות ומלחמת מצווה למרות כל חילולי השבת הכרוכים בזה כן, il faut savoir quand il y a la guerre שמשמור לא עלינו il faut suivre aussi להלכות, il y a des הלכות selon la guerre un homme que lui qui il fait pas attention il est מהלל le Shabbat même qu'il est pendant la guerre, ouais, c'est bon ou pas, il y en a qui se trouvent par exemple au front et au front ils se trouvent et ils font la navette. Il t'a dit maintenant que tu es obligé de conduire maintenant avec le camion. Mais je fais attention à Israël. Je surveille Israël. Un chômeur Israël. Il faut savoir, on n'a pas le droit. Il faut mettre un conducteur. Goy. Il n'est pas juif. Parce que. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de transgresser, seulement si c'est Pikouar Nefesh. Là, c'est pas Pikouar Nefesh. Si, il y a la guerre, on est obligé. Même Shabbat, on va à la guerre. Mais là, ici, maintenant, ils sont au front. Il y en a avec les camions. Tu n'as pas le droit maintenant, toi, autant que juif, de conduire maintenant ce camion, Shabbat. Mais on va emmener les soldats maintenant en garde. Mais maintenant, ce n'est pas un temps de guerre. C'est un temps de. Tu fais attention, on est obligé. Mais prends, il y a beaucoup des conducteurs qui sont goyim. Il y a beaucoup, il y a des druzes, il y a des bédouins qui se trouvent à l'armée. Pourquoi tu es obligé? C'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'armée. Pourquoi il y a beaucoup de problèmes? Parce qu'ils font des chiloulé Shabbat qu'on n'a pas le droit. Regarde, je dis le Rav, on n'a pas le droit de faire la guerre mais Shabbat. Ça veut dire de commencer la guerre. Même si c'est une milchama de mitzvah. C'est une guerre de mitzvah. Les gars, l'oshlosha yamim n'est pas trois jours avant. Et là, seulement si maintenant il y a un doute de sakana. Sakana de danger. Il y a un doute de danger. Sha'oyev yit atsem vekadome. Que le oyev akabana, l'ennemi, lui, il va se prendre des forces plus. Alors là, il n'y a aucun problème, tu es obligé de faire Hilou Shabbat. Mais il parle de ça maintenant, si maintenant la guerre l'a déclaré avec, juste avant Shabbat, on continue et on fait la guerre même pendant Shabbat. Même si c'est une guerre de Reshut ou une guerre de Milchama, ou une guerre de Mitzvah. La Mot, même si maintenant il y a beaucoup de Hilou Shabbat. Il faut savoir, entre parenthèses, je vous dis, David Amelech Alav Shalom, lui, il a reçu l'ordre de Shmuel Hanavi. Et il a dit, est-ce qu'on va y aller à la guerre? Oui ou non? Si je ne me trompe pas, c'était les Pelishtim. Et là-bas, il a dit Shmuel Hanavi, de la parole d'Akadosh Baruch Hu, tant que les Pelishtim, ils arrivent, ça veut dire qu'à un moment donné, que tu vois les feuilles qui bougent, alors là, tu commences la guerre. Tant que tu ne vois pas ces feuilles qui bougent, tu ne vas pas commencer la guerre. David Ameler et Yoav Ben Tsuria, tous les soldats, ils étaient cachés. Et ils attendaient l'ennemi. Ils voyaient l'ennemi, il était à 2 mètres de David Ameler. Yoav Ben Tsuria, il a pris son épée, il a voulu commencer à se battre. Dès qu'il a pris son épée, David Ameler, il a attrapé, il a dit, « Ve'ilot itzlah. » On va pas réussir. Il regarde, il dit, parce que Shmuel Hanavi, il a dit, tant que ça bouge pas, tu commences pas la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire, Ve'ilot Itzlach? Après, on a vu que David Ameler, suite, quand ils se sont rapprochés, ils ont vu que les feuilles commençaient à bouger, là, ils ont commencé, ils ont gagné. Qu'est-ce que ça veut dire, Ve'ilot Itzlach? On va pas gagner. Parce qu'il n'y a pas Hachem avec eux. Ouais, exactement. Hachem, il n'est pas avec eux, ça commence pas. Il y aura rien des massacres. On ne se pose pas la question. Hachem, il est avec nous ou il n'est pas avec nous?
La question, ça, on dit, allez, on va à la guerre, on va à la guerre. Ils ont fait, alors on va faire, etc., etc. Est-ce que Kadosh Baruch Hu est avec nous? Combien de fois qu'on voit rien des dégâts, rien, pourquoi? À cause des erreurs. Le temps qu'il est venu, et boum, il a envoyé une bombe. En fin de compte, il croyait que c'était des terroristes, en fin de compte, c'était des soldats à nous qui les avaient. 12 soldats, ils sont partis comme ça. Oh, mais non, non, non. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu fais montrer ta force, on est là, nous, on est costauds. C'est moi que je fais la guerre. Ah, tu dis ça? Oui, la colonne, il n'est plus là. Si je viens avec la voix de Kadosh Baruch Hu, c'est pas que je déclare comme un des prophètes de Baal, Sheker. Il est venu vers Achav, soi-disant, il était prophète. Les prophètes d'avant, les Nevi Sheker, ils emmenaient des psukim. C'est pas simple comme ça. Il était habillé comme un Nevi d'Israël. Mais lui, c'est un Nevi Sheker, un Nevi mensonge. Il a emmené des psukim. Et il est venu vers Achav. Il a pris deux cornes. Il a dit, Ba'em tenagah et Aram. Avec ça, tu vas encorner Aram. Mais tu vas les tuer. Et dans Achav, il a écouté. Et l'autre Navi, le Navi juste, il était Emet. Il a dit, ne va pas, tu vas là-bas. C'est Mishmor, tu vas mourir. En fin de compte, c'est ça qui s'est passé. Une flèche, elle a été jetée en l'air. Ça s'est tapé entre sa main et son épaule. Ah, il était plein de chirion. Chirion, ça veut dire qu'il était plein de ferraille sur le bouclier. Tout cela, il était rempli. En fin de compte, ici, il n'y avait pas. La flèche, elle est rentrée là-bas, il est mort. On voit que si Akadosh Baruch Hu, il n'est pas avec nous à la guerre, chez Mishmor. Mais s'il est avec nous, on a gagné. Il nous dit le Rav, Yesh Lizer, Shalom Halech Shabbat Bet Amilchama, Shalom Letzor Havil Lechima. Regardez, il nous dit le Rav. Il faut faire très attention de ne pas trébucher le Shabbat, pas transgresser le Shabbat, quand, même à la guerre, si. C'est pas selon la guerre, pour la guerre. Kegon la Shensigaya. Pour maintenant prendre une cigarette. Il y a 2 heures d'attente. 2 heures, par exemple, à pas de guerre, ils arrêtent tout le monde pendant 2 heures. Ok? Un homme, il veut un soldat, il veut se mettre de côté, fumer une cigarette. Et quand il sait, il y a un rofé la chaîne, le Shabbat, le Torel, le Yazor, le petit poulpe, le Yeshuli, Manamikar, le Godel, le Kdushat, le Shabbat. Même un docteur que lui, maintenant, il va au Hachem. Il y a des soldats, il faut les soigner. Et ce docteur-là, même qu'il est compétent. Et alors, lui, il dit, moi, je prends une cigarette pour un peu me calmer. Pourquoi tu veux te calmer? Comme ça, je veux bien, bien m'occuper de ces malades, de ces soldats. Il doit pas de faire ça. Il est assourd de faire ça. Là, c'est assourd. Maintenant, si maintenant, le bonhomme, lui, il est dans l'armée, il oublie tous les alors. Si maintenant, c'est pas constamment, il étudie, constamment, il se dit, écoute, même je suis à la guerre, même que je suis au front, même que je suis soldat, même... Il y a Akadosh Baruch Hu avant tout. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui m'a ordonné, avant que c'est mon méfaquet, qui m'a ordonné. Et le bonhomme, lui, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il n'a pas y réfléchi à cela. Pour cela, okay, il faut faire très attention dans les Chodesh Shabbat. Mishekisuhu la milchama bitzumo shel yom a Shabbat. Un homme que lui, Shabbat, ils l'ont appelé à la guerre. Veno choser la ir beyom rishon. Il ne va pas revenir maintenant en ville, dimanche. Yeshle yaetz lo libo shetat filin bet be Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on lui dit maintenant? Lui, maintenant, il est Shabbat. Dimanche, il ne pourra pas revenir. Qu'est-ce qu'il doit faire? Le cas, lui, on l'a dit, Shabbat vient à l'armée. À l'armée, parce qu'il y a la guerre. Pendant Shabbat? Ouais, pendant Shabbat, le camion, il vient, il prend le bonhomme, il dit, viens. Alors maintenant, le problème, il est, dimanche, il ne va pas rentrer chez lui à la maison. Et les tefilines, comment il va les mettre? C'est pas nous qui les tefilines, dans ce cas-là. Alors qu'est-ce qu'on le fait? Maintenant, il y a un réchute arabe. Comment il peut transporter? Chercher la récupérer. Une traite, je peux porter une traite.
en Israël, si maintenant il y a un grand problème en Israël, si maintenant il est en Khoutzlaret, il n'y a pas de hirou, par exemple, il n'y a pas de hirou. Par exemple, il n'y a pas de hirou, qu'est-ce qu'il dit, ouais, comme ça. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends les tefilines, tu les mets sur toi. Tu les mets sur toi, les tefilines de la tête, tefilines de la main, sans bracha, sans bracha, Shabbat. Il les pose. Shabbat. יש לייעץ אולי לבוש את התפילין בשבת ויכוון להדיה שאינו מתכוון לשם מצוות תפילין. איפה כי פנס, קלרמוק, ג'מל לתפילין, פפולה מצווה. זה המלבוש, מלבוש אבדיר זה ג'מבי אבק. זה פיבור, זה פיבור, כן? לא, אני פחו... מסן ברכה... פחו, 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 פחו. אז כאן נהיה לשבת, זה הרבה פעפר, אנחנו לא דברים לתפילין שבת. לסקטו, אלא לא נפורטה, לתפילין, לבוא Non, mets-toi. Là, il faut l'autre de filmer au chute des choses. On part dans un endroit qu'il n'y a pas de hirouv. En Israël, il y a un hirouv, il y a sur qui s'appuyer. Mais si maintenant il y a des endroits qu'il n'y a pas le hirouv, okay, et maintenant il doit marcher, il doit prendre le camion, etc. Dans le camion, d'accord. Il faut éviter de faire le moins possible de travaux Shabbat. D'accord? Il dit le Rav, que dès qu'il y aura la Nicha, le Machora de Yom Shon, comme ça, maintenant, dimanche, il pourra mettre les tefilines. Adavar, Barur, Shein, le Hayal, et Adel, Neshek, Shelo, Mishad, Milchama, Bafilou, Mikhatser, Amer, Urebe. Si c'est compris, ils ont des tefs. Hein? Si c'est compris, ils ont des tefs. Il n'a pas le droit de compter sur ses copains. Ah ouais? D'accord. Parce que tu sais pas, maintenant, il va partir à la garde, il va prendre ses tefilines. Okay. Et toi, qu'est-ce que tu vas rester? Combien de temps il reste là-bas? 8 heures. Et après, il y a le temps. Il faut en premier, ça, c'est ta. Les tefilines, ça t'appartient. Il ne faut jamais compter sur les autres. Il faut se compter sur soi-même. Un homme, il met ses tefilines dans la voiture. Tu laisses les tefilines dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe après? Il peut les oublier. Parce qu'il a pris le bus au même moment. Il a oublié ses tefilines dans la voiture. Il faut tout le temps les prendre avec toi. Comme il y en a un, je me rappelle, à l'époque, ils partaient en colonie. En France. Ils partaient dans la. Il prenait le tennis, prenait les raquettes, les ballons, les maillots, et les tefilines, où ils sont? Hey, je prends celui de mon copain. Et après, les tefilines de son copain, ils sont sous l'autre. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien gagné. En hacham en averosho. Le hacham, lui, il a les yeux sur sa tête, il n'est pas ailleurs. Il faut prendre tout en considération. Tu ne sais pas maintenant, ces tefilines, maintenant, ils sont sous l'autre, ou ils ne sont pas sous l'autre, il fait attention, il ne fait pas attention. Etc. Et toi, tu es obligé de mettre tes tefilines au milieu de la tefila. Il faut savoir que tefiline, tefila, talit, taf, taf, taf. Tefiline, tête, c'est tefiline, taf, c'est tefiline, talit. Et après, tefila, c'est taf. Il faut savoir tout le temps, talit, tefiline et tefila, c'est en même temps, ça vient ensemble. Un homme qui prie, il est obligé d'avoir les tefilines. Non, c'est bon, je vais prier après. Je vais mettre les tefilines après. Je vais prier à Beth Sibou. Non. C'est mieux de prier Beyechidut avec les tefilines de l'Otalit ensemble. Vous avez compris? Ça, c'est des choses que les gens, beaucoup, ils ne savent pas. Je fais maintenant ma Amida avec tout le monde. Okay? Et après, je vais mettre les tefilines après la Amida. C'est faux. C'est mieux que tu attends que ton copain, lui, il met les tefilines. Si tu n'as pas le choix, tu as oublié tes tefilines à la maison. Ce n'est pas que tu as été bémézi. Ce n'est pas que tu as fait, par exemple, avec volontaire, exprès. Ton copain, il a mis les tefilines, toi tu fais pas ta amida, toi tu attends, et après qu'il a fini sa amida, tu prends ses tefilines, tu mets les tefilines, okay. Tu n'es pas mévarir parce que tu n'as pas le droit de mévarir, parce que tu as oublié les brachot de Kriyat Shema, tu es presque à la fin, avant Tehilot laquelle, ou Shira, ok. Tu attends là-bas, lui il a fini sa Amida, qu'il a commencé avec tout le monde. Toi, tu mets les tefilines, sans bracha, et tu démarres la Amida avec eux, avec la Hazara. Tu fais la Kedusha et tout cela, ça s'appelle Tfila Beminyan. Quand ils font Hazara, et après la Tfila. Fais Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kedeshanu Bemitzvotav Vetzivanu Leaniach Tefilin, et tu touches la main, les tefilines de la main, les tefilines de la tête, et c'est bon. Et t'es rendu vite. Chazak Baruch.